Oh là, bonsoir. Destroy them all. What? Oh? Oh, c'est très perturbant la flashlight. En fait, la flashlight. Waouh! Attends. Alors, c'est très con, il faudrait que vous testiez pour le voir, pour le savoir. Mais la flashlight, elle est méga réaliste. Genre là, c'est avec ma souris que je bouge ça. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Oh là, oh là, oh là, oh là! Du calme, du calme, du calme. Molo, molo, molo! Ah, je vais m'énerver. Hein. Ah, c'est un jeu genre. Oh non. Calmez-vous, hein. Calmez-vous! Ça va pas me faire rire, ça. Hein. What? What? Arrêtez! Oh la vache! Oh, c'est bien foutu, hein! Oh! Sometimes you have to plunge into darkness to get out of closet. Ah! Parfois, vous avez besoin de vous plonger dans l'obscurité pour arrêter la boucle. F. Oh! Oh, je suis plus dans la même pièce! Oh non, ça pue. Hein. Non, 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 non. Attendez, attendez, attendez 2 secondes, hein, parce que là... Oh bah c'est ça et c'est fini. Je vais me faire bouffer. Je vais me faire bouffer. Je vais me faire bouffer. C'est quoi cette merde? What am I doing? What? Oh non mais attends, attends, attends. Vous sentez le gros screamer? Oh là là. Vous allez prendre un gros screamer dans votre gueule, tout pareil que moi. On va être content, tiens. Oh, oh j'ai éteint et j'ai rallumé. Non mais par contre... Il est ouf ce jeu. Hein. J'ai envie de plisser les yeux. Oui, bon bah... On s'en va. On s'en va, on n'est que de passage. Je m'en vais, je m'en vais. Oh putain. Tu sais que je sais même pas si je fais demi-tour ou pas là. Oh, oh putain. Oh, oh là. Bonsoir.
Ça n'a pas de sens. Mais quoi? Mais quoi? Vous savez que là, d'une seconde... Je me dis constamment que d'une seconde à l'autre, ça va me péter à la gueule. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh, putain. Je sais pas où je suis, je sais pas comment elle va finir cette histoire, mais... Quelqu'un là-haut, hein? Ah, c'est un ange! Oh non. Oh putain, non, non, non. C'est hyper déstabilisant. C'est très très déstabilisant comme jeu. Il est bien foutu. L'atmosphère est hyper angoissante. Il est très... J'en ai des frissons. En fait, j'ai... La qualité du jeu est très très bonne, mais je suis juste en mode... Je suis terrorisée parce que je me dis ça va me péter à la tronche. Mais non. Oh là là, vous savez que j'ai envie de couper la light et la rallumer. Mais je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. L'atmosphère, elle est pesante. Y a quelqu'un? Oh putain. Mais c'est quoi cette tête? Elle me fait trop peur. Non mais, si vous êtes qui, vous? Parce que vous faites trop peur depuis tout à l'heure, hein. Oh, vous me faites flipper. I don't want. Oh putain.
Il est là. Il est là, le jumpscare. On l'a eu. Putain. C'est ça qui est ouf avec ce type de jeu, c'est que t'es focus dans l'atmosphère hyper pesante et d'un seul coup, tu te prends un jumpscare. Mais vu que t'es complètement dans cette atmosphère hyper pesante depuis le début, tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Et là, du coup, je m'y attendais pas. Là, j'étais en mode, ça va aller. Ça va pas. Ok. Putain, mais c'est hyper creepy, hein. Oh là là, je le sens pas. Oh, what the fuck? C'était vraiment de l'horreur psychologique pour le coup, hein. C'était vraiment de l'horreur psychologique, hein. Par contre, je pense qu'il doit y avoir. Vous m'aviez dit que le nom du jeu, à l'envers, ça fait tumeur. Donc, est-ce que vous pensez que c'était un jeu en rapport avec ça ou pas du tout? Je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas réellement d'histoire sur ce jeu. C'était plus l'atmosphère qui était pesante. J'ai l'impression qu'on était vraiment sur une atmosphère pesante, mais pas sur un jeu avec une histoire, tu vois.